Plop les gens! Alors, bienvenue de retour sur la partie Graveyard Keeper de Zikino. Et tout de suite, la suite. Donc, pour moi, le gardien de cimetière, rien de nouveau. Mission de fin de jeu, j'ai l'impression. Hein. L'astrologue, donc ça, on avait avancé. Baisser un peu le son du jeu. Ok. Excusez-moi. Donc l'astrologue essayait de découvrir ce que le baron des gitans sait sur Esmeralda et son enfant, parce que on avait avancé et du coup l'astrologue vient d'apprendre qu'il y a une fille, normalement Esmeralda. L'inquisiteur, il faut lui parler parce que justement on a été allé voir le baron gitan ici à droite. Et lui, il faut qu'on parle à l'inquisiteur pour libérer une gitane. Bref, tout le monde est entremêlé, évidemment. Serpent, le Necronomicon, c'est toujours avec l'astrologue de mémoire. Le marchand, toujours les dîners or. Pour le moment, on laisse un poil tomber parce que j'ai la flemme, en fait. Enfin, je pourrais faire des dîners argent, mais or, je crois que j'ai un peu de mal. Mademoiselle Charme, faut que je convainc le fermier de laisser sa fille aller au concert avec Mademoiselle Charme. Et l'évêque, ça va pas avancer, ça va bouger. Sauf que Mademoiselle Charme, faut convaincre le fermier d'aller au concert. Le fermier, il est là à gauche, lui, il a pas de mission. Mais son fils, qui a bougé depuis la dernière fois, fils du fermier, là, tout en bas, il m'avait dit hey, « mais en fait, si t'aides mon oncle, le meunier, qui est juste au-dessus, à réparer son moulin, alors je suis sûr que je pourrais convaincre mon père de laisser ma sœur aller avec Mademoiselle Charme. » Bref, et il n'y a rien de noté dans les missions sur les gens. Ni sur le meunier, ni sur le fils du fermier, ni sur le fermier. C'est nul. Au moins celle du meunier, quoi. Le reste, je sais pas, même le meunier et le fils du fermier auraient dû avoir le truc, quoi. Ou le fermier, parce que si on suit la logique, Mademoiselle Charme ne me dirige pas vers le fils du fermier, mais vers le fermier. Bref, c'est un peu dommage. Là, je me suis pas fait avoir la dernière fois. Je me souviens que j'avais acheté des bouquins pour avoir du bleu, pour avancer un peu plus vite. D'ailleurs, j'ai regardé celui-ci là. Talent costaud. Apparemment, à force de travailler le fer, on devient fort et costaud. Plus un dégât, plus un défense. Et des prières pour augmenter l'attaque ou la défense. Mais bon, 75, c'est pile poil ce que j'ai, c'est beaucoup trop cher. Par contre, les pièces en acier, ça m'intéresse. De mémoire, j'ai toujours pas vu où on pouvait mettre les lanternes. Enfin, bon, en tout cas, je m'en souviens pas. Si je les ai vus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait ça, l'établi à bois 2, qui peut être intéressant. Donc ça fait 20 et 20. Ça fait 40. Je vais pas le faire tout de suite. Ça, plus ou moins, donc 50, plus ou moins, 40, on va rester là-dessus. Ça pourrait être très bien, surtout que ça me libère la zone de carrière de marbre. Sauf qu'au final, le marbre, pas, et avant de m'en servir, non, c'est pas ici, ça peut être rigolo, intéressant de prendre la poste de préparation 2. Je sais pas trop ce que je vais avoir de plus que le 1. Par contre, la palette 2 étages, ça peut être intéressant si je veux stocker les cadavres, mais je vois pas l'intérêt de stocker les cadavres vu qu'ils pourrissent, enfin moins vite sur les palettes, mais ils pourrissent quand même. Pareil, l'embaumement, ça. Pardon. L'alchimie, ça peut être sympa aussi. Bref, l'anatomie et l'alchimie, j'ai plutôt avancé l'anatomie en haut, mais il faudrait que j'avance un peu celui-là. Les théologies, ça, je pense que c'est intéressant, évidemment, mais pas des masses, on va dire. Et
retour, non pas retour au départ, la presse d'imprimerie. J'ai déjà la presse 1, donc la 2 m'intéresse pas tout de suite. Là, la distillerie, ça peut être rigolo si je trouve. Si après avoir utilisé pour les autres en forge et en construction, je sais pas trop quoi faire. Ça peut être bien d'avoir déjà les engrais max, mais il va falloir que je trouve comment les créer, quel mélange il faut pour les créer. Voilà, je pense que j'ai tout vu. Donc, je les utilise pas tout de suite, mais je pense que je vais l'utiliser. Enfin, il faut que je réserve 40, donc 20 pour faire forger et 20 pour support de montage. 5, 6, 7. Ou autrement, je pourrais faire support de montage et travail du bois. Ça fait quoi ça? Recette bois gravé. Je sais même pas à quoi ça sert. Et j'ai pas assez de rouge, ouais, d'accord. Surtout si je pense. D'accord. Très bien. C'est que c'est pas pour tout de suite. Bref, je sors, je sais plus ce que j'avais sur moi. Rien d'intéressant, j'ai pas réussi à vendre ça. Ça, je les ai pas tous étudiés. Bref, faut que je sorte, faut que je vois ce qui se passe. Mademoiselle Charme, on est le jour de Mademoiselle Charme, voire même la nuit. Donc elle, on a dit, il faut voir le fermier, tout ça, faut voir le meunier. Le meunier, j'étais bloqué, je sais même plus trop comment. Je crois qu'il faut au final aller voir l'astrologue. Demain, c'est le jour de l'inquisiteur, donc inquisiteur, faudra aller le voir pour le baron. Après, serpent, pas grand-chose. Non, c'est le jour du marchand. Et après, serpent, après l'astrologue... L'inquisiteur, ok. C'est un peu plus loin. Si je revérifie, c'est bien ça, hein. Le baron gitan, il me demande l'inquisiteur, donc c'est dans la moitié de semaine. Et Mademoiselle Charme, faut que j'avance avec le meunier, mais je crois que je pouvais pas trop. Voilà. D'essayer d'avancer sans savoir où sont les punaises de lanterne, parce que c'est joli les lanternes et tout, j'aimerais en mettre, mais où que je regarde je les vois pas. Soit c'est... Enfin, je sais pas où je peux les construire, où je peux les... faire le chemin lanterne, ça se trouve c'est juste ici, mais je le vois pas. Non, je peux améliorer la clôture, ou alors je pourrais l'améliorer plus tard. C'est bizarre. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des... Oui, on peut... qui sont déjà là. Alors moins 4, c'est intéressant, mais bof, lui peut être intéressant. Il faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2, 4, ça rapporte combien? 3, 4, 5. Donc il faut mieux lui mettre ça. Ça se trouve, j'ai mal compté. Non, ça doit être bon. Et ça. Là, ça augmente le cimetière. Voilà, je suis à 30 et il y a bien autant de crânes que de lauriers. Donc j'ai pas gaspillé. 1, 2, 3, 4, 5, bah exactement la même chose. Ou alors faudrait que j'aille dans le sous-sol. 1, 2, 3, 4, 5, toujours pareil. Thank you.
lui il en a beaucoup plus. Vraiment beaucoup. Lui aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, je peux monter jusqu'à 7. Je pensais que ça faisait jusqu'à 6, mais non. Jusqu'à 7. Donc ça se trouve le beaucoup plus ici, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Ah, j'ai déjà plus d'énergie. Je sais même plus si j'avais des mâles prêtes à être vendues ou pas aux marchands. Sérieusement, moi j'en ai stylé. C'est à 51, j'étais au moins à 27, voire moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je commence à moins 3. Là. Le dernier, je pense. On peut peut-être mettre un enclos à un qui a juste une pierre tombe pâle ici, par exemple. 1, 2, 3, 4. Ça fait combien que ça? Ça fait 3. Voilà. 67. 67 et l'église elle est à combien? Là l'église je sais que je peux pas. 67 et c'est 200 qu'il faut. Ouais c'est faisable. Faut que je me force un petit peu mais c'est faisable. Je pourrais faire une... Comment ça s'appelle? Je pourrais faire une... pour les urnes pour les funéraires. Ça, je pouvais écrire un peu, enfin faire un peu de papier. Comme ça, le zombie de rechange en stock, il pourra continuer. Prospectus. Ah non, je l'ai le Necronomicon. Attendez, serpent c'est demain. Je vais quand même voir si le marchand il a quelque chose à me dire, mais je pense pas. Donc là, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de zombies qui attendent non plus, donc c'est pas mal. Ok, il y a 3 caisses, ça va être cool. Une fois que je passe, j'aurai pas mal d'argent. Merci. Et lui, il peut me vendre du tissu. C'est bien ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces graines dorées? Vigne. Ouais. C'est bien, mais je préférais que ce soit des oignons. Les raisins dorés, j'en ai déjà quelques-uns. Ah oui, et Mademoiselle Charme, c'était pour parler. Ouais, mais c'est pour l'avancer elle-même en finale. C'était pour parler au gars tout en haut, à droite, pour aller dans son fort ou qu'elle y aille elle-même. Qu'elle y aille elle-même et qu'elle. Graine de houblon! Oh, je prends tout de suite.
Allez, je prends du houblon aussi. Hop, 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 hop. C'est cher, par contre. Ouais, c'est cher. Je vais en prendre deux quand même, mais... Là, c'est le papier avec des calculs que me demande l'astrologue. Oui, le... Je disais donc, mademoiselle Charme, c'est pour au final lui reprendre son collier, lui rendre son collier. Réparer la pierre tombale. Il faut des kits de réparation de bois. Je pourrais faire ça aussi. Essayer de réparer cette tombe-là et la tombe pas loin de la maison brûlée. Peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Peut-être pas. On verra. Les citrouilles. J'avais le blé. Et ici, non pas du blé, mais le houblon. Il est où ? Je peux pas poser des graines de houblon. Ah, ou alors il faut que... Peut-être qu'il a besoin de tuteur, le je ne sais pas du tout. Je vais quand même acheter tout de suite la technologie. Celle-ci. Attendez. Comme ça, j'ai le fourneau. Je vais essayer de le passer en fourneau 3. Il me faut 2 papiers en peau de porc. Et après, j'irai voir le... Le raisin, si je peux. Super. Je vais voir le raisin après, si je peux mettre du houblon sur les pics. Papier en pot de porc, normalement il y en a ici. C'est pile poil ce qu'il me faut. Heureusement que j'ai pas fait plus de papier blanc avec. Et il me semble qu'il y a eu du misclic la dernière fois là-dessus, donc ça aurait pu être embêtant pour pas grand chose. D'ailleurs ici, ah, il m'en faut 3. Si j'avais su, j'en aurais pris 3, mais je me souvenais plus. Donc, d'abord on améliore. Est-ce qu'on peut l'améliorer directement depuis ici? Améliorer. Ah mais je... J'ai pas besoin de papier, on peut pas. Pas grave. Voilà. En acier, il faut des bols en céramique, très bien. Ça fait bizarre, mais pourquoi pas. Là-dessus, voilà, on met du charbon et on va mettre j'utilise 3 de fer et ici j'utilise 6 de fer, ça me... Ah mais c'est, ça m'utilise moins de feu. Très bien. Et le temps est pas doublé non plus. Enfin ça me double la production sans me doubler le feu et le temps. Enfin la consommation de carburant et ni le temps. Si je fais ça, j'aurai jamais de pièces en fait.
fils en acier. Je vais faire ça, c'est mieux. Serpent. Serpent, je devais le voir chez le Necronomicon, oui. Ok, les plates-bandes, j'en ai pas une seule de dispo. Non. Par contre, ça, je peux. Forcément, j'ai pas de bâton. Il faut des tris. Pour faire des tris, il faut 5. Je vais couper au lieu d'aller en récupérer. 2. 3, 4. 5, 6. Je peux pas faire du boulon là-dessus, c'est pas grave. Je peux, mais ça me ferait, ça m'aurait fait une un espace. Très bien. J'ai donc une minuscule production de houblon. Mais minuscule est mieux que rien. Du coup, je pourrais faire de la bière. Alors pour le moment de la bière de mauvaise qualité, il faut que j'apprenne à faire les engrais pour monter le niveau de... J'ai quoi ? Faut que j'apprenne à faire les engrais pour monter le niveau de mes... d'après, que genre que ça me donne, que je mette du raisin ou des oignons en bronze, et que vu qu'il y a du bon engrais, ça me donne soit des raisins améliorés, mais surtout des graines améliorées en argent, puis après en or. Enfin, j'espère que c'est comme ça que ça fonctionne. Par les serpents, voilà le Necronomicon. Juste, je prends un petit peu d'eau avant de faire ses voix. Voilà. Voilà votre livre, serpent. Je ne suis pas surpris, vous êtes une personne extraordinairement talentueuse. Et en plus, vous êtes immortel. La vie n'est pas juste. Donnez-moi ce livre. Wow, le rituel est plus complexe que je ne le pensais. Père dans les cœurs, une fontaine de sang, une convergence de péchés. Un drôle de je n'arriverai jamais à accomplir ce rituel. Je ne pourrai jamais le rencontrer. N'abandonnez pas. J'ai moi aussi une tâche très difficile à accomplir. Je sais ce que vous pouvez ressentir. Il vous suffit de croire en vous. Tout est entre vos mains. Vous êtes un brigand dangereux et sans scrupules. Qui d'autre pourrait accomplir ce rituel si ce n'est vous? Vous avez raison. Je déteste quand quelqu'un d'autre a raison. Nouvelle tâche, aider Serpent avec son... Mais dans ce cas, je crois que je... pourrait avoir besoin d'un coup de main. Un prêt des points rendu, si vous voyez ce que je veux dire. D'abord, le carnet infini, c'était pour l'astrologue, mais plus tard. J'ai remarqué que vous aviez un carnet infini. J'en ai besoin pour quelque chose de très important. J'en ai besoin pour un rituel pour ramener mon amour. Je vous comprends bien. Peut-être même plus que vous l'imaginez. Ce carnet est la seule chose qui me reste de mon enfance. Nous n'avions pas le droit d'avoir nos propres affaires à l'orphelinat. Lorsqu'ils m'ont sorti de cette maison en feu, je le tenais fermement dans mes mains. Ce carnet compte beaucoup pour moi. Les pages de ce carnet ne s'arrêtent jamais. J'y note tout, et beaucoup étaient déjà remplis lorsque j'ai commencé. Je me demande tout le temps de quoi parlent toutes ces notes. À quel point étaient heureux les gens qui les ont écrits. Vous savez quoi? Si je réussis mon rituel, le carnet sera à vous. Je n'en aurai plus besoin. Ich. Ouais, donc 100, ça doit être le maximum. Et à propos du rituel, comment puis-je vous aider avec le rituel?
Je souhaiterais vous aider. Quelque chose me dit que j'aurais besoin de vos services en retour. Ça me paraît raisonnable. Tout d'abord, nous devons préparer le rituel. Il faut que cet endroit devienne aussi effrayant que mon ancienne orpheline. Il faut que mes disciples en tremblent de terreur. Mais voyez-vous, mais voyez un peu à qui je dis ça. Vous deux, dans votre église, vous devez bien travailler pour refaire la déco. Vous avez bien travaillé pour refaire la déco. Ici, il faudrait quelque chose de plus sombre. Et sans toutes ces croix, les croix m'évoquent de mauvais souvenirs. Ah, autre chose. Pour le rituel, nous allons avoir besoin de fontaines de sang. Faites-en deux, histoire d'être tranquille. Ok, je vais essayer. Allez, disons, nous avons un truc spécial. Nous avons un jour spécial pour les trucs effrayants. Ça s'appelle Halloween. J'étais doué pour ça, pour ce genre de décoration. Je trouverais sûrement des idées. Ça doit être les crânes. Eh bien, bon. Il faudrait que cet endroit atteigne au moins 20 de démoniaques. Très bien, je suis à 2. Et si j'ai bien compris... Ah, quand même. Squelette crucifié avec des citrouilles en argent. Non, pas en argent. Ok, il s'en va. Donc en plus, je l'ai eu au dernier moment. Il traîne dans une colonne dans le mur. Il va me falloir beaucoup de crânes. Ça devrait aller. C'est dommage que ce soit des citrouilles en argent, mais ça devrait aller quand même. Demain, c'est le jour de l'homme. Ce serait cool que je dorme quand même avant. Alors, histoire... je vais poser les deux citrouilles pour faire les deux. Je sais même plus ce que c'était. C'est ça, là j'ai pas assez. Et là par contre, est-ce que j'essaye? Ouais, je vais essayer. Au pire, ça me fera de l'argent, malheureusement. Faut que je pose le bâton. Pas grand chose de mieux. Non. Je crois pas. Je pose ça. Je pose les citrouilles. Est-ce que c'est possible de faire des caisses? Non. Enfin, seulement les marchandises. Pourquoi pas au final? 3. Pourquoi pas? J'ai pas posé les lingots, je prends le... Hop. Qu'est-ce que je voulais? Si, je voulais couper... pour avoir deux dos. Prendre le zombie ici, qui puisse me travailler les clous et les caisses. Parce qu'au final, c'est ce qui me rapporte de l'argent le plus. Et que j'ai l'impression que les trucs de endgame, enfin, ça coûte de plus en plus cher, quoi. C'est jamais mal d'avoir de l'argent. Oh,
l'ai mis en haut, je savais pas qu'on pouvait. L'épée en acier, ça c'est intéressant aussi. Je sais même plus ce que j'ai. J'ai déjà le marteau de fer. Oui. Toi, je voulais que tu me fasses genre 50 clous. Ouais. Donc moi, je fais quelques planches. Hop, les planches, je les pose. Le houblon, je devais le poser en bas. Clôture en bois pour les avoir bien propres. Puis-je vous demander de libérer une gitane? Soyons. Ce n'est pas dans mes habitudes de relâcher qui que ce soit. Ça ira. Mais cette fois, je ferai une exception. Ces amis ont créé trop de grabuges devant mon quartier général. Bon, je peux directement partir. Je vais aller voir le gitan quand même parce que. Même si j'ai des chances. Je vais passer par chez moi. Même si j'ai des chances de ne pas. Enfin, ça se trouve, ça va être juste bon et il va me donner ce qu'il faut pour l'astrologue tout de suite. Mais déjà, je pense plus à ça. Comme ça, les caisses après, c'est fini. Jusqu'à la fin de la semaine. J'ai des chances de devoir faire l'aller-retour, c'est ça que je voulais dire. Non, il m'en manque une, c'est pas grave. Je suis pas à une caisse d'argent près, normalement. Normalement. Là.
J'ai même pas regardé combien ça m'a rapporté. Normalement, genre 30 pièces d'or, d'argent. Chose comme ça. C'est suffisant en général. Non. Je viens de penser, les grenouilles, ça se décompose en quoi? Parce que le parfum, je suis censé pouvoir en faire à l'alchimie, et puis la dame avait besoin de grenouilles pour faire du parfum. Votre ami est libre. J'ai parlé au seigneur inquisiteur, votre ami est libre. J'avais raison, c'est bien votre ami. Vous êtes donc quelqu'un d'important par ici. Alors, parlez-moi d'Esmeralda. Où se trouve votre sœur? Probablement très très loin. Ils l'ont mise sur un navire des morts, il y a bien des années de cela. Mais elle avait un enfant, non? Oui, une fille. Autrefois, je la considérais comme une véritable bénédiction. Mais aujourd'hui, elle ne m'inspire que la honte. Elle est donc en vie? Oui, elle est en vie. Mais elle a trahi les siens. Elle a même trahi le souvenir de sa mère. Je suis sûr, c'est Mademoiselle Charles. Que fait-elle? Elle a vendu le dernier présent que lui avait fait sa mère. Elle a renié notre héritage. Et pourquoi? La luxure, l'impertinence. En ville, elle se fait appeler Mademoiselle Charme. Oh là là! Nous n'avons plus prononcé son vrai nom depuis des années. Donc c'est bien Mademoiselle Charme. Enfin, c'est bien. Je l'ai deviné juste avant qu'il me le dise. Donc... Ouais. Elle a vendu le collier, dernière relique de sa mère, mais maintenant elle veut le retrouver pour retrouver sa famille. Je pense qu'il y a une histoire comme ça. Oh, intéressant. Je peux vendre un peu de vin. Allez, deux pièces d'or. Deux pièces d'or, deux pièces d'argent. Je suis riche. N'imaginez même pas. Bon. Ici, j'ai deux caisses d'outils. Les caisses de marchandises, ça rapporte 15. Donc apparemment, il y a une caisse qui n'est pas... qui n'a pas pu faire. Est-ce que je le remets à faire justement cette caisse là ou pas? Alors est-ce que c'est du vin en or? Argent. Oh, dommage. C'est pas grave si je ne fais pas la troisième main, je pense. Déposer l'histoire. Ça, je reprends. Je ne sais même plus. Pourquoi je sors par là? Je ne sais même plus comment fabriquer des bols en céramique. J'ai bien envie d'aller tout en haut à gauche là, dans ma mine pour me souvenir un peu à quoi ça ressemble et en gros. Et enfin si j'ai bien organisé les zombies tout ça. Mais de l'autre côté, vu que demain il faudra que j'aille voir l'astrologue, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que tu dis? Oh, il manque des clous. 41 sur 60, je sais pas combien, donc il manque une bonne vingtaine de clous, mais les clous, c'est pas utile que pour ça. Si. Alors ça, il faut de l'argile et de l'eau, très bien. Les bols en céramique, j'en ai fait besoin pour quoi à l'instant? Enfin, tout à l'heure, je sais même plus.
Kit de réparation, 4. 4, c'est parfait. Il faudrait aussi une clôture en bois. Voilà. On va se coucher. Faire ça rapidement. Il veut pas travailler. Ok. Je préfère. Voilà. Je vais poser et ou réparer ce qu'il faut ici, puis vers le meunier, et après j'arrive à l'astrologue. J'espère que j'aurai le temps. D'aller voir l'astrologue pour lui dire hey, « ta fille, c'est même Mademoiselle Charme. » Et lui, je sais même plus ce qui va me débloquer en sachant ça. Trop de trucs. Alors, à propos de l'enfant d'Esmeralda. Esmeralda a eu une fille. Une fille ? Où se trouve-t-elle aujourd'hui ? Pourquoi est-ce au courant ? Esmeralda est morte, il y a bien des années, mais sa fille est en vie. Vous avez probablement entendu parler d'elle. Elle se fait appeler Mademoiselle Charme. Incroyable ! Elle est si talentueuse. J'ai assisté à l'une de ses représentations une fois. Oh, des petites larmes. Oh, elle ne m'acceptera jamais, je le crains. J'ai quitté sa mère avant sa naissance, mais je ne savais pas. Je me doutais que cela briserait le cœur d'Esmeralda, mais c'était au nom de la science. Quel imbécile j'ai été. Jeune homme, vous allez tester le terrain pour moi. Allez lui parler. Découvrir si j'ai encore une chance. Ah, super. Mais promettez-vous de me révéler où se trouve le sextant doré, si je parviens à réunir vous et votre fille. Absolument, j'en serais si heureux. Ah, les calculs faire le fou, je vais pas acheter plus. Normalement, le
zombie au sous-sol s'en occupe hein, pour créer des bouquins. En espérant qu'il crée les bons, mais des bouquins. Alors lui... Il a vraiment rien. Plus la corde, je peux pas la refaire. Est-ce que le baron gitan accepte de me reparler? Parce que Smeralda... Enfin, Mademoiselle Charme, je pourrais la... la voir qu'après-demain. Ça avance la quête, mais... de valeur, quoi. Bien évidemment, non. Je ne peux pas lui parler. Il n'a rien à me dire. Je crois que j'ai du vin en argent. Oui. Peut-être le vendre au passage. Pourquoi plus t'en prends, plus c'est cher, quoi? C'est nul. C'est pour t'inciter à en prendre un à la fois, mais plein de fois. Des réserves d'ingrédients un peu au pif mais que je sais qu'ils sont utiles pour faire les recettes améliorées. Comme ça, ça me donnera peut-être plus envie de faire la quête. Et là, plus j'en vends d'un coup, moins ils m'en donnent quoi. 39 x 2, ça fait pas 69, ça fait 78. Mais bon. D'ailleurs, oui, apparemment, le fait d'avoir redémarré le jeu, il n'y a pas eu de mise à jour, mais juste redémarrer le jeu, ça enlevait le bug des files d'attente de la dernière fois. Peut-être ici. Oui, il est là. Livre vert. Très bien. Dommage que ce soit un vert, mais pourquoi pas. Je ne renierai pas. Pas des masses, mais un petit peu. Je dois d'abord poser mes affaires de cuisine. J'ai tout fini. Non, je peux poser là. Non, j'ai vraiment plus de place ici. Donc on va poser ça, on va poser ça, ça, et ça. Plus de place. Non, la grenouille ne se décompose pas. À part la cuisiner, ça ne me sert pas à grand chose.
ça. Et poser ça. Pourquoi je voulais aller au sous-sol? Non, je... Si, je voulais un peu aller au sous-sol. Toi, t'as fini. J'ai de la place. La première récolte de houblon. Super. Ok, j'ai de quoi avoir une production supplémentaire de raisins, de vignes argent et or. Mais bon, c'est temporaire normalement. Donc autant ne pas s'embêter. En plus, j'ai plus de houblon quoi. Je vais aller acheter du houblon, enfin des graines de houblon. Parce que j'achète du houblon directement. Pas forcément, c'est que pour faire un peu de bière qui sera de la mauvaise qualité tant que j'ai pas les bons engrais. Donc ça, et là c'est bizarre quoi. Il est bien marqué corps, mais pourquoi ça ressemble pas à une tombe? Je les oublierai tout le long du jeu. Non, quand même pas. Ah, je peux lui vendre du houblon à 32, alors je l'achète à 45. Oui, bah non. Surtout qu'il n'en est pas en rade. Mais le plein, il est où? Allez. Allez. Oh là là, je sais plus diriger. À diriger. Genre là, j'aimerais bien mettre des lanternes quoi. Je sais pas, ça me donne presque envie d'aller regarder l'outil du jeu, lanterne. Comment en mettre. Mais bon, on va éviter quand même. Ah, graines de houblon, du coup, je ne vais pas passer par là-haut. Je vais directement utiliser le livre. Tic-tac. On verra après, en fait, le houblon, tout ça. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de
faire le serment, et ce serait dommage de louper de la foi. Bim 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 bim. Alors, la foi... Oh! Quelqu'un est venu prier dans l'isoloir. Est-ce que c'est ici les lanternes? Quand des labres, c'est pas des lanternes, d'accord. Ça aurait été bizarre, il y a déjà masse de candélabres qu'on peut mettre. Ça aurait été vachement bizarre. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Directement 15 pièces d'argent beaucoup plus facilement. Ça non. Je peux lui vendre, oui, d'accord. Tour. Non, partir. Faut que j'aille au sous-sol. Ici, j'ai quoi, citoyen? J'ai plus rien. Citoyen légitime, j'ai plus rien. Aristocrate. 12 pièces d'argent. Pour avoir des papiers d'aristocrate, mais déjà que les papiers de citoyen légitime. Sûr de les avoir utilisés. Non, faut pas que la foi soit ici. Bon. J'ai une vingtaine de foi. Faudrait que j'accepte les nouveaux cadavres, non? Alors. J'ai aussi... théoriquement, de quoi faire mes premières bières. On va juste prendre celui-ci avant qu'il puisqu'il s'ennuie. Alors, une chope. Évidemment. Là. Pourquoi il... Ah, il faut du... D'accord. Il faut un peu de combustible. Très bien. Parce que tu peux faire... Je peux pas poser le fer. Ça, je peux poser.
Alice aussi. Ah oui, le jour de Mademoiselle Charme, faut que j'aille la voir. Ça, je peux toujours pas le poser, quoi. Enfin... Ah si. Sous-sol, j'ai pas posé tout. Toutes mes récoltes. D'ailleurs, je pourrais même faire des jus de raisin. J'ai pas redescendu le charbon, c'est pour ça que j'avais pas tout fait. Alors là, je crois qu'il y en a pas. C'est quoi ça? C'est du graphite, d'ailleurs, tu peux t'enlever. Voilà, là plutôt le graphite. Et là, je prends le charbon. Je prends le charbon, je le mets ici au maximum. Donc j'en ai pris trop, c'est pas grave. Et là, je vais fabriquer une bière. Enfin, 10 bières d'un coup, d'accord. Pourquoi j'avais plus le secteur? Ok, et donc ça, ça se fabrique tout seul. Un peu lentement, mais tout seul. Très bien. Le charbon, je vais le reposer. J'ai beaucoup de pierres. Quelques bols en céramique de rave. On va voir Mademoiselle Charme. Je suppose qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Je vais quand même mettre les carottes. Hop, et là, je prends combien? 40, 50 par là. 9. J'en ai 40. Ça va faire pas mal de cadavres. Très bien que tous ne seront pas possibles d'être transformés en zombies. J'aurais pas assez de. Pardon, je n'aurais pas assez de. Comment ça s'appelle? De foie. Mais c'est pas si grave. Pour avoir quelques ondes de plus et puis enterrer quelques cadavres. Parce que là, j'ai l'impression. Il y a des choses à faire, mais pas forcément beaucoup. Là, j'ai presque envie de l'exhumer celui-là et de voir tellement c'est étrange, on va dire, le format. Oui, cette fatigue. Attaque 2. Vous avez l'air si seul. Avez-vous de la famille? Croissant, Bertrand. Mon cher ami, vous êtes si attentionné. Vous semblez être le seul capable de me parler comme une vraie personne. Je me sens si seul, seul au milieu d'une foule d'admirateurs. C'est ma malédiction. Ma mère est morte. J'ai bousillé mes relations avec tous mes proches. J'ai passé toute ma vie à attendre le prince charmant. Mais je suis maudite. Ce n'est pas une blague. Ma mère m'avait dit que son collier m'aiderait à trouver l'amour, et moi, je l'ai vendu. Il se pourrait que je sache qui est votre père. Mon père est un homme sans honneur et malhonnête. Il a abandonné ma mère, et elle ne s'en est jamais remise. Il n'a jamais rien fait pour moi. Je me fiche de savoir qui il est.
Super, du coup maintenant c'est attendre une semaine pour dire en fait... En fait avec ta fille ça va être compliqué, mais j'ai quand même besoin que ça avance avec lui. Ah oui, oh les cadavres. Je vais devoir enlever tous les crânes de tous les cadavres. Ça va pas être joli. Ça me fait penser... Chirurgie ça coûte trop cher. Pour être sûr que quand j'enlève un organe important, genre le crâne, pour faire la déco de serpent, j'ai pas une erreur chirurgicale. Petit pour servir d'appât pour d'autres, mais une anguille, je suis pas sûr. Voilà, et je peux ramener une fournée d'oignons. Bronze, ça devrait le faire. Là, maintenant qu'on... Ah, c'était pour faire les pièces en acier. J'ai bien fait de me dire que je l'avais vu et que je savais plus à quoi. Même si je savais plus à quoi ça servait. Donc tu fais les pièces en acier. Vu que c'est le prochain truc. Graines de houblon, faut que j'aille les poser là-haut. Toi tu sers plus à grand chose. J'ai la flemme d'aller te mettre au sous-sol. Oignon. Les deux de plus. Évidemment, c'est juste avant la nuit que je me fais livrer un cadavre. Alors, on enlève le sang. Un peu de vin. On enlève... le crâne, parce que le crâne, voilà, j'en ai besoin. On enlève la graisse et il m'a l'air parfait pour faire un zombie. Oui, je suis quand même plus attiré par avoir quelques zombies de plus que par quelques zombies de plus plutôt qu'avoir plus de cadavres dans le cimetière et améliorer la qualité du coup du cimetière. Alors ça, je peux poser, ça je peux poser. J'ai pas de jus de zombies d'avance. C'est ballot. Alors, jus de zombies.
deuxième, faut que je ramène du... de l'engrais. Alors, là je peux par contre poser celui-ci, il me sert pas à grand chose. Favori pour le moment, il est à 18%. Celui-ci est à 15%. Deuxième meilleur. Est-ce que je le laisse là? Ouais. J'ai pas grand chose à faire pour le moment, mais je sais qu'il y en a. Du coup, crâne. Je sais qu'il y a fou crâne, il y a des citrouilles, ah les poutres, il faut que je fasse 4 poutres. Juste pour au moins les voir chacun. La fontaine de sang, pâte à polir x 5, il me semble que c'était un peu chiant la pâte à polir. Pâte à polir et 5 pierres polies et je sais plus. Alors toi, c'est pour faire quelques toasts. Parce que je peux pas faire je peux pas dire cuisant deux d'un coup. Oh, j'ai cru que c'était du violet. Non, par contre les engrenages je ne peux pas les poser. Donc pâte à polir, c'est où? Là il me faut de l'huile et du sable, mais de l'huile. Plus trop comment on la fabrique cette huile là. Ok. Je les ai déjà mis au sous-sol, les citrouilles d'avance. Voilà. Pour le marchand, il n'y avait rien. On va mettre un autre oignon, comme ça je me débarrasse de celui que j'ai sur moi. Celle-là.
suffisante. Crucifiés rapportent plus que les non crucifiés. Les fontaines de sang, il m'en faut deux. Okay. Du coup, si je peux avoir deux poutres et une citrouille, ça peut être cool. Deux poutres, une citrouille, 5-5 et un kit de réparation de pierre. Ah ouais, 1h20. Oula! Je m'arrêterai là juste après. Si je m'arrête tout de suite, j'oublierai ce que je voulais faire. J'hésite à manger l'oignon parce que je pense que je vais oublier aussi. Là, d'ailleurs, la pierre, on s'en fout ici. J'en avais déjà ici des pierres polies. 4, 5. Très bien. Et il me fallait un kit de réparation, donc de l'argile. Prendre. L'argile. Oh, le cadavre. L'argile, il y en a au sud. Lui, je sens qu'on va le. On va l'enterrer. On va l'enterrer parce qu'il aura bien moisi le temps que je me souvienne de lui. D'ailleurs, c'est cool parce que les engrenages rapportent du bleu. Plus d'énergie, c'est bon. On va prendre un peu quand même. Un peu d'avance. Allez, à 10. C'est trop compliqué pour lui peut-être. Très bien. Ça j'en ai. J'ai oublié de prendre une citrouille en argent. Aussi. C'était deux de mémoire. Il va falloir plus des poutres. Ou alors tu fabriques des pierres polies.
pas combien tu vas pouvoir en faire, mais... Serpent arrive. Je suis pas du tout occupé du... Du marchand. Du coup... Ce que crucifié, ça rapportait plus. Il me manque un crâne. Pour faire l'autre. Pierre polie. En fait, il m'en faut 10, 10 et 2. Comment on fait de la pâte à polir? Il faut de l'huile, ok, c'est bon. Voilà, c'est tout. C'était... Je suis à combien? C'est un fichier là. Allez. Oh, j'ai oublié de remonter le temps pour qu'il n'y ait 8 sur 20. Bah, tant qu'il est là, serpent, on vérifie tout de suite. Bon, il y a pas mal de crânes qui manquent, mais il ne faut pas grand chose. Du coup, si j'aurais le temps de le... Transformer en zombie ce cadavre, vu que j'ai pris du vin pour avoir un peu de force. Oui, je l'ai déjà mis ici. Prendre le corps. Autopsie. Ressusciter le corps. Je peux pas bouger en fait, j'avais jamais trop fait gaffe. Il me manque le sang quoi. Alors, non, c'est ça que je pose. Donc lui il est à 15 et lui il est à 12. Quoique... C'est dur de s'arrêter. Hein. C'est dur de s'arrêter, d'arrêter la vidéo à un endroit cohérent. Quand on est dedans, on est dedans. Hop, je vais te prendre toi, tu vas me couper des rondins. Promis, j'arrête. Là, on peut pas faire des lanternes. Du coup, toi. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il n'y a plus de bois. Toi, normalement, t'es à 5%. Voilà. Toi, t'es à 12. Voilà. Je sais même plus si j'ai besoin d'encore un zombie là-haut.
Sinon, j'ai prévu de dormir là-haut. Donc, je vais voir. Enfin, d'arrêter le. Oula! Il tient plus la cadence. Il tient plus la cadence. La lanterne. Réseau de lanterne. Emplacement pour la lanterne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Réseau de lanterne, c'est ce qui est en bas là? Je sais pas. Les lanternes, c'est bien ici. Là, il y en a une. Un espace. J'essaie de regarder toute la zone, mais je pense qu'il n'y en aura pas de plus. Ok. Ah, super. Lui va vraiment mourir par contre. Ah, réseau de lanterne, ça va faire tout le chemin. Ah d'accord. Torche, lanterne en bois, lanterne. Très bien. Et là, c'est pareil. Très bien. Ben, on sait ce que c'est du coup, le réseau de lanterne. Avec quelle vitesse toi? 12. 10, 10. Et l'autre c'était 10, 12 aussi. Bref, sur ce, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, comme tous les autres, si vous êtes arrivé jusqu'à cet épisode 31, 32 je crois. C'est que j'espère que ça vous plaît et que vous aimez suivre cette aventure avec moi. Et du coup, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.